Encore M. Samassi Abdoul Ramzi, votre ingénieur technique d'élevage. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la préparation de notre poussinière pour la réception de 2000 poussins pontes pour l'un de nos partenaires installés à Ingéville. Je tiens à vous informer que je suis également technicien supérieur en ATP agriculture tropicale option production animale et également technicien supérieur en IACP industrie agroalimentaire et chimique option production. Alors installez-vous confortablement pour la lecture de la vidéo. Hello, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo présentement. Vous pouvez voir ici le matériel d'élevage qui est de 40 mangeoires de premier âge, 40 abreuvoirs de premier âge et deux radiants pour effectuer le chauffage. Au niveau des radiants, vous avez les radiants de 1000 têtes, les radiants de 2000 têtes, etc. etc. Vous pouvez voir également ici la désinfection, la dernière désinfection. Nous sommes en train de désinfecter le copeau. Nous utilisons le copeau pour notre poussinière de 2000 poussins pontes. Mais vous pouvez opter pour la balle de riz. Maintenant, en fonction de la disponibilité de la matière dans vos pays, vous pouvez opter pour d'autres matières. Vous pouvez voir la désinfection. La dernière désinfection, on désinfecte le muret, on désinfecte le bâche, on désinfecte les mangeoires, les abreuvoirs, on désinfecte l'enceinte complète. Ça, c'est la dernière désinfection avant l'arrivée des sujets. Je tiens à vous dire que, comme tenu que c'est un ancien bâtiment, notre vide sanitaire a duré 3 semaines. Notre vide sanitaire a duré 3 semaines. Nous devons se poser la question, quel produit utiliser pour la désinfection? Pour la désinfection, vous avez le Vircon, vous avez le Virunet, etc. Le Vircon et le Virunet sont des bactéricides, des levuricides, des fongicides et des désinfectants. Vous pouvez utiliser également du Javel en grain. Pour la posologie, consultez votre spécialiste, votre ingénieur technique d'élevage, votre vétérinaire conseil ou votre technicien supérieur ou un spécialiste dans le domaine. Vous pouvez voir ici la ferme, la distanciation entre les deux bâtiments parce qu'on va utiliser les deux bâtiments. La distanciation entre les deux bâtiments est de 20 mètres. Chaque bâtiment a pour capacité de prendre 1000 sujets pontes. Là, nous sommes en train de faire les dernières retouches. Il faut savoir que pour les deux bâtiments, chaque bâtiment a une barrique. Chaque bâtiment a une barrique. Ici, nous avons utilisé la barrique bleue que nous avons raccommodée. Ici, c'est le flux de 1000 litres. Ce flux de 1000 litres est relié aux deux bâtiments. Lorsque ça sera des traitements en général, c'est-à-dire les traitements en commun, on va utiliser la barrique de 1000 litres. Pour les traitements séparés, on va utiliser les différentes barriques bleues. Ça, c'est une barrique de 200 litres. Ça, c'est le bâtiment 2. Le bâtiment 2 a sa barrique bleue de 200 litres. Le bâtiment 1 a sa barrique bleue de 200 litres. Ça nous permettra de vraiment connaître la consommation d'eau de chaque bâtiment. C'est très important. Je tiens à vous dire que ici nous allons utiliser les abreuvoirs automatiques qui est de 12 abreuvoirs pour chaque bâtiment. Parce que la poussinière, c'est une poussinière de 2000 poussins. Nous allons effectuer le chauffage ensemble et après nous allons séparer les sujets, 1000 sujets pontes dans chaque bâtiment. Pour l'installation des abreuvoirs, nous allons utiliser 12 abreuvoirs. 12 abreuvoirs automatiques dans chaque différent bâtiment. Pour une capacité d'abreuvement de 1000 sujets pontes dans chaque bâtiment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme à l'état civil Samassi Abdoul Ramzi. Je suis ingénieur des techniques d'élevage. Je suis également technicien supérieur en ATPA, agriculture tropicale option production animale, et technicien supérieur en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous
activer la cloche de notification et partager la vidéo au maximum pour nous aider. Activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons d'élevage, ici, nous parlons d'agriculture, ici, nous parlons d'agroalimentaire. Bonne lecture de la vidéo. Je tiens à vous informer également que nous sommes sur le site de l'un des partenaires de SEMVO Afrique, l'un des abonnés de SEMVO Afrique. Le suivi jusqu'à la réforme des 2000 sujets ponte suffira pas et SEMVO Afrique. Je tiens à vous informer que notre objectif ici, c'est d'atteindre les premiers œufs à 3 mois, 15 jours, le pic des pontes à 5 mois.